Cet épisode est sponsorisé par NordVPN, le VPN qui ne mourra jamais. Profitez dès à présent d'une super offre à 3,17€ par mois et d'un code promo Nota Bene qui offre un mois gratuit. Pour en savoir plus, rendez-vous en fin de vidéo ou sur nordvpn.com/notabene. Bon visionnage. Mes chers camarades, bien le bonjour. Mourir avec classe, ça n'est pas donné à tout le monde. Je dirais même plus que ça ne suffit pas, puisqu'il faut bien quelqu'un pour raconter votre mort épique aux lâches qui vous auront survécu. Autant vous dire que si vous êtes un Jean-Michel, j'ai une petite vie tranquille, bah, à moins d'avoir un photographe dans le coin ou une bonne masse de témoins, dont un qui récupère votre pièce d'identité avant que vous ne partiez en fumée, il y a assez peu de chances que ça arrive. Du coup, l'histoire nous fait parvenir surtout des récits entourant la mort de têtes couronnées ou au moins de types qui ont pris un peu de galons durant leur vivant. C'est assez injuste quand on y pense, mais ça ne les empêche pas d'avoir eu une mort épique, digne des plus grands films hollywoodiens. Et c'est justement ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, revenir ensemble sur la mort héroïque de Constantin XI, paléologue. Être le dernier d'une grande famille, certains parmi vous savent ce que ça fait. C'est lourd à porter. Eh bien, imaginez ce que ça donne quand on monte sur un trône vieux de plus de 1000 ans, que tout le monde convoite, qui va se casser la gueule sous peu, qu'on veut partir en beauté pour marquer l'histoire, mais qu'on sait pourtant qu'on n'a pas trop les moyens de le faire. Eh bah, c'est tout à fait le rôle qu'a dû tenir Constantin XI, paléologue, dernier empereur romain d'Orient, ou dernier empereur byzantin, si vous préférez. Cette histoire remonte tellement loin qu'elle commence en 330. Quand Constantin décide de faire de Byzance sa nouvelle capitale, qu'il nomme Constantinople, la ville de Constantin en grec. Il est pas allé chercher très loin le mec. Hein. La ville croît en importance, volant la gloire de Rome. Pour finir, en 395, par être choisi comme capitale de ce que l'on appelle désormais l'Empire romain d'Orient, par opposition à l'Empire romain d'Occident, dont la capitale est Rome. Avec la chute de cette dernière en 476, Constantinople devient la seule continuité légitime de l'Empire romain, considérant par la suite le reste des royaumes occidentaux comme une joyeuse bande de bouseux. Et n'allez pas leur dire qu'ils sont grecs, hein, ou byzantins, sans quoi on vous foutra dehors, ils sont romains, mais ils parlent grec. L'Empire ne connaîtra pas que des bons jours, s'agrandissant et se réduisant au fur et à mesure des invasions et reconquêtes diverses. Mais pendant ce temps-là, sa capitale s'enrichit et se développe, toujours de plus en plus, notamment grâce à sa situation géographique. Contrôlant un carrefour commercial exceptionnel, le Bosphore, par lequel transite une grande part des échanges Orient-Occident, ses affaires vont bon train. Ses habitants s'enrichissent, ses palais s'agrandissent, ses monastères se développent et se décorent de plus en plus, ses boutiques se remplissent, tout ça non sans attiser régulièrement les convoitises de l'Orient comme de l'Occident. Et plus le temps va, moins les Byzantins ont de quoi défendre leur prestigieuse capitale, centre selon eux du monde romain et chrétien. Résistant tout au long de sa longue histoire à de nombreuses tentatives de siège, elle tombera une première fois en 1204 aux mains des croisés de la 4ème croisade. Une croisade détournée de son but sacré par la vénalité des Vénitiens, ennemis commerciaux des Byzantins, qui désiraient ardemment mettre la main sur les multitudes de richesses de Constantinople et sur ses monopoles commerciaux. L'Empire sera ainsi démembré au profit des Latins, des Occidentaux si vous préférez, avec par exemple l'Empire latin d'Orient, le duché latin d'Athènes et bien d'autres, tandis que les Byzantins se réfugieront en Grèce et en Anatolie. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la fin byzantine. Les Latins n'ont pas beaucoup de chance, ils sont pas très forts en politique, ils se retrouvent ruinés, mal implantés et menacés de toutes parts. Bon, c'est pas très brillant quoi. Résultat, moins de 60 ans plus tard, en 1261, Michel VIII, paléologue, fondateur de la dynastie du même nom, reprend la ville laissée presque vide par le dernier empereur latin et restaure l'Empire byzantin. Mais il faut se rendre à l'évidence, Constantinople est quand même vachement moins classe qu'avant. La ville, ruinée par les incendies du siège et par son pillage, n'a jamais été vraiment reconstruite. Les monastères et palais ont été dépouillés, et beaucoup de quartiers sont en friche. Le toit même du palais impérial a été vendu, et de ça, l'Empire ne se remettra jamais. Il survit encore 200 ans, ce qui est plutôt pas mal, mais ce n'est pas beau à voir. Un peu comme ce pote qu'on a vu avec une super femme, de super mômes, une énorme baraque, un boulot en or, un corps d'acier et un sourire à toute épreuve, et qu'on retrouve peu après en train de cuver sa bière tout seul dans un PMU après avoir tout perdu. Eh bien là, c'est vraiment pareil. L'Empire va vivoter d'alliances avec des peuplades auxquelles il n'aurait même pas daigné accorder une ambassade un siècle avant, offrant leurs filles en mariage à des chefs de tribus turcs quand ils les refusaient au plus grand roi d'Europe auparavant. Vendant à prix dérisoire des concessions commerciales énormes à ses anciens rivaux commerciaux, comme Gênes ou Venise, en échange d'un peu de protection.
limitant le territoire byzantin couvrant autrefois presque toute la Méditerranée à quelques faubourgs autour de la capitale et du Péloponnèse. La dèche de chez dèche, quoi. L'abîme, le fond du trou. La loose. C'est donc en tout cas de ça qu'hérite Constantin XI, paléologue, quand il monte sur ce qui reste du trône en 1448. Il y avait tellement plus rien que les bijoux de la couronne, c'était du toc, et qu'on mangeait dans des écuelles en bois ou en terre cuite. On ne sait absolument rien de son aspect physique, mais tous s'accordent à dire qu'il était assez bon guerrier, qu'il était bon administrateur, bon politique et bon chrétien. Malheureusement, même un homme de sa trempe ne peut redresser l'Empire. Hein. Le réel problème, c'est pas le fait que l'Empire soit moins en forme qu'auparavant, mais tout simplement qu'il existe dans un écosystème où il est entouré par d'autres empires qui, eux, sont en pleine expansion et ont un appétit féroce. Typiquement, les Ottomans, qui ont fait un grand bout de chemin depuis leur apparition en Bithynie au début du XIIIe siècle, font désormais trembler une bonne partie de l'Europe et de l'Anatolie. Ils contrôlent un immense territoire au milieu duquel se nichent Constantinople et ce qui reste de l'Empire byzantin. Autant vous dire qu'il ne risque pas de faire de vieux os, même s'il a déjà su résister derrière les vieilles et imprenables murailles de Théodose à plusieurs tentatives de siège de la part des Ottomans en 1394 et en 1422 notamment. À la tête des Byzantins se retrouve donc un Constantin vaillant et intelligent en 1448, mais les Ottomans ne sont pas non plus en reste en voyant monter sur le trône en 1451 un certain Mehmed II. Ce jeune prince ambitieux, au pouvoir mal assuré, n'a qu'une idée en tête. Puisque ses ancêtres n'ont pas réussi à le faire, il veut s'emparer des restes de l'Empire byzantin et de son joyau, l'imprenable Constantinople, tellement prestigieuse que sa prise chez les musulmans fait l'objet d'une prophétie. Et puis ça fait d'une pierre deux coups, hein, parce que ça permet aussi de se la péter devant ses rivaux. Saisissant un prétexte foireux, il déclare donc la guerre aux Byzantins et commence à préparer le siège en 1453. Constantin, résolu, est donc réduit à faire de même et il y mettra toute son énergie. Il fait donc accumuler tout ce qu'il peut comme vivre, mais ses maigres ressources au service de la restauration des murailles extérieures, et malgré ses appels à l'aide, n'obtient que peu de renforts, à peine quelques centaines d'hommes de Venise, de Rome ou de Gênes, comme le vaillant Giustiniani venu avec des troupes à ses frais. Ainsi, quand les armées ottomanes, alors les plus puissantes d'Europe, dressent le camp devant la ville le 5 avril, alignant près de 100 000 hommes, 120 navires et l'artillerie la plus développée d'Europe, Constantin, lui, n'a pu réunir que 7 000 hommes, 20 navires et une piètre quantité de mauvais canons qu'il ne peut utiliser sans risquer d'abîmer ses propres défenses. Mais le gars, il compte pas renoncer. Hein. En effet, malgré les bombardements intenses, malgré les attaques régulières qui déferlent au pied des murailles fissurées par l'artillerie ottomane, malgré les assauts de la flotte ennemie sur le port bien défendu par une chaîne qui le protège de part en part, la ville tient bon. Mais à quel prix? Peu d'hommes, peu de munitions, peu de nourriture et peu d'espoir de renfort. Les querelles vont bon train et tant qu'il le peut, Constantin consacre son énergie à les calmer et à résister sur la muraille aux offensives de l'ennemi. On le voit donc de plus en plus épuisé, même s'il reste le plus droit possible pour montrer l'exemple. Un jour, ses conseillers désespérés le conjurent de fuir et d'organiser la résistance, voire la reprise de la ville et de l'Empire depuis l'étranger. Constantin, fatigué de tous les rôles qu'il a à jouer, hésite, comprenant que ce serait peut-être plus sage. Le dilemme et la fatigue le déchirent tellement qu'il s'évanouit. Mais aussitôt réveillé, la décision est prise. Il restera et mourra s'il le faut. Il ne veut pas que son nom reste dans l'histoire comme celui qui a abandonné la glorieuse cité. Après près de 2 mois de siège, dans la nuit du 28 au 29 mai, Mehmed décide de lancer toutes ses forces dans un dernier assaut, après quoi il se retirera sans doute. Du haut des remparts, les Byzantins et leurs poignées d'alliés restants ont bien conscience de l'enjeu. Il faut tenir une nuit, peut-être une journée, avec le peu qu'il leur reste, et ce, à tout prix. En attendant, c'est le calme avant la tempête, et chacun en profite comme il le peut. Constantin, lui, terriblement pragmatique, mais toujours aussi dévoué, assiste à une messe, se fait absoudre de ses péchés, demande pardon à ceux qu'il aurait pu offenser, fait ses adieux à ses proches, puis monte au sommet du palais des Blachernes pour contempler une dernière fois sa ville endormie, en compagnie de son meilleur ami, l'historien Georges Frances. Après ça, il inspecte les murailles et ses troupes, puis rejoint son poste sur la seconde muraille, tandis que derrière lui, on ferme les portes. L'assaut furieux durera toute la nuit et toute la matinée, alternant vagues de fantassins et bombardements, ne laissant aucun répit aux assiégés, tandis qu'en face se relaient des troupes fraîches. Quand au troisième assaut arrive l'élite militaire ottomane, les janissaires, les défenseurs donnent tout ce qu'il leur reste, éperdument, corps et âme.
Mais malheureusement, une poterne est prise, des janissaires s'y engouffrent, tandis que plus loin, Giusti Stani, le génois, deuxième homme à galvaniser la troupe après l'empereur, est mortellement blessé. Dès lors, c'est la débandade, et les Ottomans massacrent les fuyards. Alors, Constantin XI tente une dernière fois de rallier ses troupes, mais voyant que ça ne sert plus à rien, enlève calmement ses insignes impériaux et, entouré de quelques derniers fidèles, se lance dans la mêlée comme un soldat ordinaire. Malgré ce qu'on a pu en dire, on ne retrouvera jamais son corps. Et encore aujourd'hui, certains croient dur comme fer qu'il a été changé en statue pour venir un jour libérer sa ville. Puisqu'avec sa mort, c'est l'Empire romain d'Orient qui s'éteint, empire qu'il n'aura pas abandonné comme il l'avait promis. Mais bon, il y en a aussi d'autres hein, qui disent que s'il a enlevé ses insignes, c'est surtout pour avoir une chance de sortir incognito et indemne de tout ce merdier. Voilà, je préfère la version épique. Merci à Frédéric Louarn de la chaîne Hero.com pour la préparation de cette émission. Vous pouvez retrouver sa vidéo sur la chute de Constantinople en description. Elle est géniale. Si vous avez l'âme d'un aventurier qui a besoin de se protéger contre le monde hostile du numérique, je vous rappelle que cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Un VPN, c'est un outil que vous installez facilement sur votre PC et qui vous permet de naviguer en toute sécurité sur Internet en chiffrant vos données et en protégeant votre anonymat. Alors certes, en étant anonyme, personne ne connaîtra votre mort épique. Mais ça a aussi plein d'avantages, hein. Par exemple le fait d'être en sécurité sur les réseaux peer-to-peer, d'avoir accès à des programmes qui sont bloqués dans votre pays, de ne pas craindre de se faire pirater quand, comme moi, vous utilisez de temps en temps des Wi-Fi publics. Avec NordVPN, vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 machines Android, iOS, Windows ou Mac sur un seul compte et profiter d'un support client 24h sur 24, 7 jours sur 7. Pour ce partenariat, NordVPN vous propose une réduction de 70% si vous prenez un abonnement de 3 ans, ce qui vous revient à 3,17€ par mois. Pour bénéficier de l'offre de réduction, je vous invite à aller sur nordvpn.com/notabene et si vous rentrez le code NOTABENE sur le site de NordVPN, vous avez un mois gratuit en plus. Je vous remets toutes les informations de l'opération en description. Et en attendant, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On compte sur vous pour la partager et vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut !